Bonjour. Costas Douzinas m'a demandé de contribuer à votre travail par une intervention sur la négativité. Donc, je fais très volontiers. À partir de ceci, il y a deux négativités. Il y a la négativité qu'on traverse, et il y a la négativité dans laquelle on s'arrête, on séjourne. Ainsi formulé, il paraît sauter aux yeux que la première est la bonne négativité, celle qu'on traverse, et la seconde serait la mauvaise. La première serait la négativité dialectique, hégélienne, donc, et la seconde paraît dépourvu de toute ressource. On y verrait le nihilisme. Pourtant, les deux négativités se trouvent chez Hegel. Lorsque Hegel déclare que l'esprit ne vit qu'à la condition de ne pas reculer devant la mort et de séjourner en elle, il ne s'empresse pas de dire que l'esprit va ressurgir de la mort. Donc il est très insuffisant de considérer la dialectique comme une machine à nier la négation afin de parvenir à une ultime positivité. J'y reviendrai tout à l'heure. Se tenir auprès de la mort ou séjourner auprès de la mort n'est peut-être pas tout simplement transitoire. D'ailleurs, le séjour n'est pas transitoire, parce que la négation de la négation n'a pas le même caractère que la première négation, celle qui nie la première et simple position. La première négation est abstraite, et elle nie l'abstraction de la position, mais la seconde négation, Hegel l'explique très bien dans la grande logique, la seconde négation est double. Elle nie en maintenant ce qui est nié. Aussi, Hegel dit-il, qu'on peut la diviser en deux et avoir quatre temps au lieu de trois. Car la seconde négation maintient ce qu'elle nie tout en passant à une nouvelle position. Mais cette nouvelle position, en fin de compte, et rien d'autre au terme même de Hegel, que la première position abstraite devenue concrète. Et donc la position finale est la position vivante, concrète, actuelle, en acte, en réalisation. Donc dans ce sens, il n'y a pas d'accomplissement ni de fin de l'Aufhebung. Dans les termes la vie, la mort, la négation de l'abstraction initiale n'est pas la vie qui nie la mort, parce que l'abstraction n'est même pas encore la mort. Avec la mort, on est dans le concret de la vie. La vie, à la fois, nie la mort, revit, et la maintient, puisque la mort fait partie d'elle. En ce sens, je dirais que l'être exposé à la mort de Heidegger n'est pas autre chose qu'une reformulation de cette pensée de Hegel. Et si on oublie, si on n'oublie pas que la mort de Dieu est aussi la mort d'une vie éternelle censée assurer un passage définitif à travers toutes les morts vers une vie finale, terminale, qui elle-même ne connaît pas de mort, alors on peut comprendre qu'après la mort de Dieu, la modernité se soit trouvée devant la tâche justement de séjourner dans la mort, et pas seulement de s'en extraire ou de la supprimer. Mais le problème de la modernité, et je pense justement d'avoir effacé cette tâche du séjourner dans la mort.
Sans doute cette tâche n'était-elle pas entièrement claire d'entrée de jeu, peut-être pas à Hegel lui-même, ou alors elle lui est claire d'une clarté, vraiment de la clarté spéculative par excellence. Et d'autre part, la projection à laquelle nous nous sommes livrés en partie à cause de Hegel, ou à cause d'une certaine interprétation de Hegel, la projection d'une histoire comme succession de négativités traversées devant aboutir à une positivité finale et à la négation de toutes les négations, cette projection a beaucoup contribué à cet effacement de ce qui sans doute était et est toujours la tâche ouverte par la mort de Dieu. Et considérons de nouveau de près les caractéristiques des deux négativités. Première, celle par où on passe, négation de l'abstrait. Or, la négation de l'abstrait est la négation de cette négation considérée simplement comme négation au fond d'une autre position. Ces deux temps sont seulement formels, dit Hegel. Seulement le troisième temps est concret. Seulement le troisième temps est la vie de l'esprit. Parce qu'il n'est pas un dernier produit, mais il est un mouvement ininterrompu. Où il est ce qui fait que si on distingue bien ce qui est négation et ce qui est négation de la négation, alors, Hegel le dit, on peut compter le 3 comme 4. En termes, dans les termes les plus formels, si vous voulez, être, néant, devenir. Le devenir est infini. En termes du système, chez Hegel, logique, nature, esprit. L'esprit est seul le concret, et il est comme le mouvement incessant de la négativité, se niant elle-même, niant la négativité de l'esprit dans la nature et niant celle de la nature dans l'esprit. Donc, si nous le disons en termes de mort, premièrement, abstraction, deuxièmement, mort, troisièmement, mort de la mort, qui n'est pas simplement du tout mort où est ta victoire, c'est-à-dire justement la proposition théologique de la mort. Mais plutôt qu'il y a deux victoires possibles, la mort et un séjour dans la mort qui nous donne à penser. Car qu'est-ce que c'est que séjourner ? Hegel emploie le mot. Séjourner, c'est éprouver un lieu, un habitus, un ethos. Ce n'est justement pas passer. Essayons une transposition de cela sur notre histoire. Une transposition qui, je crois, sera peut-être plus fidèle à Hegel que la représentation qu'on a d'habitude d'une fin de l'histoire hegelienne. Première position, immédiateté, préhistoire. Bien sûr, il se passe énormément de choses dans la préhistoire, mais l'homme ne s'y voit ni en objet ni en sujet d'un cours de l'histoire. On est dans la reproduction. La vie se reproduit, l'existence se reproduit. Deux, histoire. Négation de l'immédiateté, production. Production, bien entendu, prend des allures très diverses selon les continents,
avec un moment occidental décisif qui est proprement le moment de la production, et qui n'empêche pas que, de manière générale sur l'ensemble du monde, je veux dire en Orient aussi bien, en Chine et même en Amérique latine, se sont produits un ensemble de phénomènes dont d'une certaine façon l'Occident est le résultat. Donc, histoire, négation de l'immédiateté. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à la production, c'est-à-dire justement à la négation de l'immédiateté indéfiniment reconduite vers un plus de production. Aujourd'hui, il s'est produit une négation de la production au profit de l'information. C'est une autre négation, toute différente en un sens. Car la production ici n'est pas niée comme on s'y attendrait. Elle n'est pas niée de telle façon que nous reviendrions à la reproduction, plutôt nous en viendrions à la vérité concrète finale de la reproduction. Mais la production est transformée. L'information ne supprime pas la propriété privée des moyens de production, elle l'a accrue, et de beaucoup. Donc la négation de la négation, si nous considérons notre modernité comme une négation de la négation, est très loin de nous ramener à une reproduction archaïque revisitée. Et c'est là-dessus sans doute que quelque chose de la puissance de Marx est resté bloqué, arrêté. Marx aurait aimé retrouver l'immédiateté d'une supposée communauté primitive. En même temps, la production, elle, s'empêtre dans ses propres extrapolations et dans les oppositions pures et simples, oppositions pas du tout dialectiques qui envahissent toute la scène, oppositions d'abord des riches et des pauvres, oppositions souverains, non-souverains, puissance et puissance, effondrement ou future garantie, etc. Ce n'est pas la vie de l'esprit, ça. Ces oppositions qui surviennent à l'intérieur de la production ne sont pas la vie de l'esprit. Au contraire, c'est une sorte de stagnation dans le calcul et dans le court terme. Et cela signifie qu'il n'y a pas de séjour dans la mort. Cela signifie qu'on ne s'arrête pas sur la négativité que nous avons nous-mêmes mise en œuvre et en jeu, et dont la mort de Dieu est, disons, la formulation emblématique. Alors cette situation, Hegel l'ignorait, bien sûr, il ne pouvait pas la prévoir. Et maintenant, en revanche, relisons Hegel. Ce n'est pas cette vie qui recule d'horreur devant la mort, et qui se préserve pure de la destruction, mais la vie qui porte la mort et se maintient dans la mort même, qui est la vie de l'esprit. L'esprit conquiert sa vérité seulement à condition de se trouver soi-même dans l'absolu déchirement. Se trouver soi-même dans le déchirement, voilà la vérité de la négativité. Et Hegel ajoute un peu plus loin, ce séjour, est la force magique qui retourne le négatif en être. Bien sûr, il faudrait examiner comment précisément ce mot très surprenant, magique, et ce retournement, le négatif en être, retrouvement qui justement n'est pas tout à fait une aufhebung. Pour le moment, ici, aujourd'hui, retenons ceci. C'est en séjournant dans la mort, face à la mort,
que la vie de l'esprit, la vie comme esprit, éprouve l'opération propre du négatif, son opération magique. Or, qu'est-ce que la mort aujourd'hui? Pas seulement tous les décès qui s'accumulent, bien sûr, les maladies, les guerres et les exhalations, encore que je reparlerai aussi de celle-là. Mais qu'est-ce que la mort aujourd'hui, sinon justement la mort de Dieu, c'est-à-dire la privation de sens de tous les décès et de toutes les vies avec tous les décès? C'est ce qu'on appelle le nihilisme. Peut-être rarement avant aujourd'hui on a touché le nihilisme de manière aussi concrète, aussi palpable, aussi constamment présente d'une quantité de manières que aujourd'hui. Or, au fond, peut-être pas si loin de Hegel, Nietzsche a voulu précisément essayer de comprendre qu'il faudrait peut-être séjourner au cœur du nihilisme au lieu de nous en détourner, au lieu de le récuser et de le condamner au nom de valeur. C'est bien pour ça que Nietzsche parle de valeur, au nom de valeur précisément niée, annihilée, anéantie par la mort du sens. Alors, la formule la plus aiguë de Nietzsche, sa formule la plus aiguë et qui correspondrait, à mon sens, le mieux peut-être au quatrième temps, si on veut, de la dialectique hegelienne, c'est cette formule qui se trouve dans un fragment posthume, « Introduire un nouveau sens ». Voilà la tâche, à condition qu'il soit bien entendu que cette tâche elle-même n'a pas de sens. Il ne s'agit donc pas d'une négativité qu'on traverse, il s'agit de comprendre la naissance de sens, la possibilité d'introduire, d'apporter, de faire venir du sens comme étant détaché de la perspective d'un sens global qui donnerait une signification dernière à toutes les productions, introductions, initiatives, inventions, créations de sens. Donc, ce n'est pas une négativité qu'on traverse. Et que veut dire alors ne pas traverser? Si la mort que tout aujourd'hui nous présente sans cesse, tous les jours, tout le temps, attentats, guerres, accidents industriels ou de la route, du travail, dévastation écologique, famine, migration, règlement de compte, ici, violence urbaine et policière, là, suicide, maladie incurable, fin de vie interminable. Si cette mort polymorphe qui se présente sans cesse, encore une fois, et tous les jours et sans arrêt, si elle était le nihilisme même. Car elle n'est plus la mort telle que jadis elle pouvait être, la mort qui ne cesse toujours, bien sûr, de menacer au milieu des dangers d'un monde inconnu. Elle est au contraire la mort d'aujourd'hui.
Elle est au contraire ce qui reflue de notre connaissance et de notre maîtrise du monde, à mesure que nous sommes plus savants et plus maîtres du monde, nous apparaît de plus en plus ce visage, encore une fois, polymorphe d'une mort pure et simple négation, que donc on désirerait d'autant plus de nouveau traverser, mais pour laquelle précisément nous manquons au plus haut point de moyens de traverser, à moins de se confier très fidèlement à une forme ou à une autre de religion. En fait, cette mort est l'expression du sentiment dominant de notre temps. Et le sentiment dominant de notre temps, je dirais, c'est « sauf qui peut ». Car notre temps fait suite à un temps très long, bien sûr, un temps qui, en effet, a commencé avant Hegel et qui a semblé s'accomplir, se nouer avec Hegel, alors que je suis en train d'essayer de montrer que Hegel comprenait lui-même déjà autre chose. Nous avons été dans un temps qui n'a pas cessé de dire « nous allons nous sauver, nous allons, ou même mieux que nous sauver, nous allons nous réaliser, nous allons devenir enfin l'homme dans sa plénitude, l'homme dans sa totalité, la civilisation dans son intégralité. » Aujourd'hui, il n'y a plus aucune perspective d'accomplissement, ni donc de salut. Et c'est pourquoi je dis, la formule du jour, c'est « sauf qui peut ». Et « sauf qui peut », c'est la panique. C'est chacun qui fait ce qu'il peut pour sauver son petit morceau de vie. Et nous sommes dans un monde de panique parce que nous sommes dans un monde de destruction, d'anéantissement, d'extermination, d'éradication, j'en passe, et des meilleurs. Alors il faut nous demander ce que peut signifier séjourner dans la mort. Je dirais que ça signifie au moins de prendre complètement au sérieux cet état du monde, de cesser de le prendre comme une négation qu'on va pouvoir traverser, encore une fois traverser. Je dirais que l'élection de Trump, qui à l'heure où je parle, semble se confirmer, mais je dirais peu importe qu'elle se transforme ou non, le fond des choses est quand même là, le fond de l'électorat de Trump est quand même là, et de bien d'autres électorats de par le monde, électorat ou simplement opinion démise, soumise, remise à tout ce qui pourra permettre de flatter justement le sentiment de panique et de sauf qui peut. Eh bien, ou bien il faut prendre ça au sérieux, il faut s'arrêter dessus, il faut se demander, encore une fois comme disait Nietzsche, comment est-ce qu'on peut introduire un sens nouveau tout en sachant que cette tâche n'a pas de sens. Ou bien, c'est en effet peut-être une autre façon de comprendre le séjour qu'il y a dans la mort, ou bien il s'agit d'accompagner une véritable fin du monde. Alors il n'y a plus de sens nouveau à introduire, parce qu'on ne peut même pas s'élever à la hauteur d'une absence finale de sens. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de lieu pour ça. Au contraire, c'est une mort par trop de sens qui serait en train de nous arriver, une mort par trop d'identification,
trop d'assignation, trop d'organisation, trop de computation, trop de calculation, si je peux parler comme ça. Alors, peut-être, oui, la tâche qui n'a pas de sens serait non pas, je dirais, la non-tâche au-delà de toute tâche qui pourrait être la destination de l'animal de sens que nous sommes. Mais alors, au contraire, cette tâche qui n'a pas de sens pourrait être tout simplement la dernière tâche, c'est-à-dire la tâche qui ne peut même pas s'accomplir, mais qui, en ne s'accomplissant pas, en effet, ouvre à une négation dans laquelle le séjour ne serait plus un séjour, parce que lorsqu'on est mort soi-même, on ne séjourne plus là où on est.